Bonjour et bienvenue sur musculationprisedemasse.com. Donc, musculationprisedemasse.com, c'est le site où vous pouvez retrouver deux personnes compétentes, entraîneurs personnels, diplômés en kinésiologie et qui vous informent de conseils scientifiques sur la musculation et qui vous donnent également des trucs au gym pour pas juste savoir comment faire un bicep curl, mais comment faire des bicep curls incroyables. Donc, vous pouvez aller voir notre capsule d'hier là-dessus. Aujourd'hui, on répond à une question, mais on fait... assez souvent, des capsules au gym. Assez souvent, oui. Assez souvent. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui, Étienne? J'essaie de garder mon sérieux. C'est pour ça que tu me regardes de même. Mais... OK, là, les gars, cette semaine... On a décidé de se prendre pour d'autres. Oui, c'est pour ça, là. C'est pour ça. C'est juste pour ça. Ouais. Non, c'est pas pour ça. C'est pour vous rappeler que bientôt, ça va être l'été. Mm-hmm. Ça va être le temps de porter vos lunettes de soleil, puis de porter aussi votre maillot de bain, camisole, puis votre sandal. Puis là, hey, je parle du cas, je me souviens. Puis là, l'été, là... tout le monde le sait, on veut être en forme, right? Mm-hmm. On veut être sur notre 36, montrer qu'on est en forme puis tout. Puis c'est le temps que ça paraît. T'sais, l'hiver, tu peux mettre comme ta grosse chemise, ton gros manteau, il n'y a personne qui s'en rend compte. Mais l'été, c'est plus tough de cacher que tu es vraiment out of shape puis que ça fait 6 mois que tu t'es pas entraîné. Ah. Fait que si tu attendais une bonne excuse pour commencer à t'entraîner, on veut t'encourager à commencer maintenant parce que ça va être l'été dans à peu près 2 mois. Tu vas mettre tes lunettes fumées puis ton maillot de bain. Puis si tu commences à t'entraîner aujourd'hui, ben, tu vas être vraiment fier de mettre ton maillot de bain. Si tu commences à t'entraîner dans 2 mois, tu ne seras pas vraiment en forme à temps pour l'été. Fait que c'est tout le pourquoi des lunettes fumées cette semaine, puis on va les enlever à partir de demain. Ah ouais? Ouais, okay, ouais, ouais. Bon. Mais donc, puis pour t'aider là, à t'encourager, dans le fond, à commencer à t'entraîner comme il faut, ben, on veut t'offrir ton premier programme gratuitement. Du club du programme du mois. Le club du programme du mois, c'est un club où tu t'abonnes, puis à tous les mois, on t'envoie un programme d'entraînement conçu scientifiquement pour t'aider à prendre le plus de masse possible, le plus rapidement possible. Mm-hmm. Puis, ben, ce mois-ci, tu peux t'abonner pour recevoir ton premier programme pour 1$. Puis, il n'y a pas d'attrape, tu peux te désabonner aussi, il n'y a pas de contrat, tu as juste à nous écrire. Puis, si tu ne veux pas rester après, il n'y a pas de problème. Puis au moins, tu vas avoir eu ton premier programme, un bon programme pour t'aider à prendre la masse vite. Puis, un petit quelque chose qui me dit que si... quand tu vas le faire, là, ça va être super efficace, tu vas peut-être avoir le goût de rester. Fait que dans le fond, nous, c'est pour ça qu'on t'offre le premier gratuit. On espère que tu restes, mais si tu ne restes pas, il n'y a vraiment pas de problème. Mm-hmm. Puis, puis d'ailleurs, là, par rapport à ça, là, on pourrait en parler toute la journée, mais allez sur le lien, dans le fond, qu'on met en dessous du vidéo et vous allez voir, dans le fond, des témoignages de personnes qui utilisent déjà le club du programme du mois. Vous allez avoir leur feedback à eux autres. Vous allez voir, finalement, là, c'est... s'ils sont satisfaits ou pas. Et vous allez vous rendre compte, dans le fond, qu'il y en a qui disent « Ah, j'ai gagné 7 livres de masse musculaire. » On a des histoires assez surprenantes. Oui, assez surprenantes. L'idée en arrière de ça, c'est que les gens, habituellement, sont satisfaits parce que moi, avec tous les entraîneurs personnels que j'ai vus, tous les programmes d'entraînement que j'ai vus, sincèrement, chacun des programmes d'entraînement qu'on met à chacun des mois pour nos membres, c'est tout le temps du top-notch avec des thématiques d'entraînement puis des méthodes d'entraînement que j'ai rarement vu ailleurs et que même les entraîneurs personnels là, assez haut niveau n'utilisent pas. Donc, je pense que vous allez avoir du bon stuff. Yes, sir? Yes. OK. Aujourd'hui, on va répondre à une question de musculation. Mm-hmm. OK. Une question de Patrick de Saint-Jérôme. Patrick a 34 ans et est membre avec nous. Merci, Patrick. Mesure 5 pieds 11, pèse 208 livres et a 28% de gras. Sa question, « Bonjour les gars, mon nouveau travail me demande 2 heures de voyagement le matin, idem le soir. » Ça, c'est long, Patrick. « Alors, pour m'entraîner, le moment où j'ai l'énergie nécessaire, c'est le matin avant de partir travailler. » Cool. « J'ai constaté que le programme du mois pouvait être divisé en ABC sur 6 matins en raison d'une dizaine de séries. » Très bien, Patrick. Oui, tu fais bien ça. « Je sépare les exercices poussés des exercices tirés du haut du corps et je fais les jambes du programme full body. » Très correct, très bon. Okay. Donc, tu as divisé ton entraînement en 3, puis tu le répètes 2 fois par semaine. Mm-hmm. Ça te fait 2 entraînements pour chaque groupe musculaire par semaine. C'est excellent. Ouais. Tu nous dis que tu as 2 questions. On va commencer avec la première pour tout le monde, puis on va garder la deuxième pour les membres. Donc, la celle où on va répondre pour tout le monde, c'est lorsque les exercices d'épaule sont faits d'un exercice poussé et d'un tiré, est-ce que je dois les séparer pour respecter la thématique poussé-tiré? Ou je dois les garder le même jour, dans ce cas, lequel? Merci beaucoup, Patrick. OK. OK. Mais moi, ce que je te dirais tout simplement, c'est de garder... exercice pour répondre, tu sais. Il va falloir que tu y ailles, tiens. Il va falloir que tu réfléchisses. OK. Bien, moi, là, moi, Patrick, je les séparerais. OK? Parce que ton épaule, dans le fond, il y a 3 muscles dans ton épaule, au moins, là.
sur le côté ici, tu as le deltoïde antérieur, le deltoïde médian et le deltoïde postérieur. Ouais, trois chefs. Ouais, non, parce chefs. Que c'est tout le temps le deltoïde. C'est tout le temps le deltoïde, mais il y aurait quand tu regardes. Ouais. Ouais, okay. C'est sûr qu'il a l'air d'être trois muscles. Quand tu regardes, là, tu sais, c'est un muscle qui commence à une place puis qui finit à une autre place, puis le muscle d'à côté est comme pas connecté. Ouais. Mais en tout cas, chef ou muscle différent, ton épaule, elle a comme trois fonctions très différentes, puis le deltoïde antérieur, il fait des choses que le deltoïde postérieur ne fait pas en tout. T'sais. Fait que tu peux les entraîner comme si c'était des muscles différents, puis les mettre dans les journées thématiques qui vont pour les fonctions de tes épaules, de tes muscles ou de tes chefs différents de l'épaule. Fait que ton deltoïde antérieur, oui, tu l'entraînes dans la journée où tu pousses, puis ton deltoïde postérieur, tu l'entraînes dans la journée où tu te serres, effectivement. Là, la question qui reste, c'est le deltoïde médian. Quand est-ce que tu l'entraînes? C'est ça, moi aussi, je le mettrais la journée où tu pousses. Oui, absolument, parce que souvent, on va faire du bench press, shoulder press. Donc, tu vas avoir deltoïde médian, deltoïde antérieur. Lorsqu'on fait du bench press, on a l'épaule ici qui s'avance, une extension de l'épaule. Donc, c'est pas mal ça. Moi, je l'utiliserais vraiment dans la journée poussée. Et oui, les mouvements vers l'arrière, c'est typique d'une journée pour tirer. Fait que si tu veux faire de quoi de spécifique pour l'arrière de tes épaules, il existe des bons exercices pour travailler l'arrière d'épaule, notamment coucher sur le côté, faire ça comme ça, là, ça fonctionne particulièrement bien pour aller travailler. Cool! Le derrière, l'épaule. Bon, mais Patrick, on va répondre à la deuxième moitié de ta question dans la réponse pour les membres. Les membres, vous avez la deuxième version ici en dessous, hein, la deuxième partie. Si ce n'est pas déjà fait, vous mettez votre numéro de membre et vous allez avoir accès. Les autres, vous pouvez vous abonner pour avoir accès aux réponses pour les membres. Et puis, si vous vous abonnez aussi au programme du mois, bien, vous allez avoir accès à toutes les vidéos pour les membres aussi. Ah, c'est gratuit cette semaine. Ah, ça va peine. C'est pas beau ça? Ça va peine, papé. OK, fait que profitez-en. L'information est en dessous de la vidéo. Les membres, on se revoit dans un instant dans la deuxième vidéo. Salut. Bye.